Votre Excellence, Monsieur le Ministre. Douce et apaisée, comme je l'ai indiqué, je lancerai les cinq andalagiques. Et c'est sur ces mots que je déclare close les assises de la Revue annuelle des performances nationales 2022. Je vais savoir si je peux vous remercier pour votre attention. J'attends avoir un rapport s'agissant de toutes les provinces éducationnelles. Le bureau de l'ANAP me transmettra cet état des lieux afin de me permettre d'évaluer chacun d'entre vous. Il me revient d'apprendre que certaines autorités éducationnelles provinciales ont estimé injuste qu'elles soient évaluées en ce moment, notamment s'agissant des itinérances dans leurs provinces respectives, parce qu'elles n'ont pas eu le temps nécessaire, étant donné que la RAP a été convoquée immédiatement après mes itinérances. J'ai pris en compte cette considération. Ainsi, j'ai décidé d'accorder un moratoire de 3 mois à dater de cette rentrée scolaire afin de donner à chacun l'occasion de traduire en acte les orientations formulées par moi lors de mes itinérances dans vos provinces respectives, ainsi que les recommandations formulées lors de ces assises qui se clôturent aujourd'hui. Cependant, ce moratoire ne m'empêche pas. Il s'est tenu du lundi 29 au mercredi 31 août 2022 dans la salle polyvalente de Rivière Nova à Kinshasa, Congo, les assises de la Revue annuelle nationale de performance 2022, placées sous le thème de consolidation et de réalisation de la gratuité de l'enseignement primaire ainsi que la lutte contre les antivalores. Les nombres de participants retenus, 450 provenant de différentes structures ci-dessus. Président de la République, cabinet du ministre national, secrétariat général, l'inspection générale, les ministres de provinciaux en charge de l'éducation, les directeurs provinciaux, les inspecteurs provinciaux principaux provinciaux et les directeurs provinciaux de CECOP, les structures spécialisées du ministère, les partenaires, associations de parents d'élèves, les syndicats d'enseignants, confessions religieuses, la société civile, les partenaires techniques et financiers opérationnels dans le sous-secteur de l'électricité et autres. L'ouverture à la clôture, les cérémonies ont été présidées par son Excellence Monsieur le ministre, le professeur Tony Mouamakazaki, qui, dès le début, a donné des orientations en termes de recommandations disponibilisées à tous les participants pour son exploitation afin de permettre les bons déroulements de ces assises. Il s'agit de l'évaluation de la gratuité, la question de la perception illégale des frais de scolarité non prévus dans la circulaire fixant les frais. La pratique de la mise en quarantaine des élèves non en règle des frais de scolarité, les effectifs réels des élèves dans les classes tant publiques que privées, les recensements des écoles privées, la question de l'effectivité de la paie, signaler les opérateurs de paie non performants et proposer des pistes de solutions, la loi de délivrance des bulletins et des diplômes à la clôture de l'année scolaire, la relance des itinérances dans les par les autorités provinciales, au rapporteur. Monsieur Michel Lemengo, je suis directeur chef de service de la direction d'études et planification à l'enseignement primaire, secondaire et technique. Monsieur, en quelques lignes, est-ce que pouvez-vous résumer votre discours durant le speech pendant le débat? Au fait, nous sommes là comme chaque année, en train d'évaluer tout ce qui a été comme activité exécutée par le niveau national et le niveau provincial.
Alors, c'est ce que nous appelons la revue annuelle des performances. Cette revue s'organise au niveau des provinces, en commençant par l'école, la sous-division et au niveau de la province éducationnelle. Et à la fin, tous ces niveaux-là vont préparer les rapports et les revues de performance. Et ensuite, il y a une revue annuelle de performance au niveau national. C'est ce qui a été depuis hier. Demain, nous terminons, c'est pendant 3 jours. C'est juste pour essayer un peu d'évaluer, comme je l'ai dit tout à l'heure, les performances de toutes les activités qui ont été mises en œuvre. Également les indicateurs. On doit dégager les indicateurs de performance de chaque niveau. Quels sont les points focaux que vous avez pu traiter en cette deuxième journée? Bon, aujourd'hui, plus précisément, il y avait plusieurs présentations, mais parmi lesquelles j'ai présenté les réformes de notre sous-secteur. Et au moins au total, pour la stratégie sectorielle, 10 réformes. Mais à ce qui concerne les PST, il y a au moins 9 réformes. On était en train de voir l'état d'avancement de toutes ces réformes-là. Combien qui sont déjà mises en œuvre? Je donne l'exemple de la réforme sur la gratuité. Elle est effective, sa mise en œuvre. Elle est effective, c'est comme ça que vous allez constater qu'au niveau de nos écoles primaires publiques, il y a réellement la gratuité. Alors, il y a d'autres réformes que nous avons dégagé les défis, qu'il faut formuler les recommandations afin que l'année scolaire 2022-2023, on puisse prendre en compte ces recommandations concernant les réformes et voir comment les mettre en œuvre. La presse vous dit merci. Merci beaucoup, madame. Et puis... vraiment cette gratuité à travers son excellence
de votre commune. De là, je pouvais dire succinctement si vous pouvez me poser concernant mon point de vue sur la clôture de ces assises. Madame. Excellence. Excellence. Qu'il soit permis. La lutte contre les antivaleurs. Quelle stratégie?